Nous vous remercions de nous avoir invités à cette conférence, à ce dialogue international sur la migration. Comme certains d'entre vous le savent déjà, Espace Créatif est installé au niveau de l'Université de Djibouti. Et comme l'a si bien dit le modérateur, c'est une initiative unique visant à créer un espace de formation accueillant aux technologies ouvertes et aux compétences numériques destinées aux jeunes djiboutiens, mais aussi aux migrants de retour, ainsi que les migrants potentiels et aux jeunes étudiants. De notre expérience, le lab est un point d'information essentiel pour le jeune djiboutien qui reviennent au pays et les migrants potentiels pour se développer. C'est pour cela que pour le migrant de retour, la réintégration est un aspect fondamental et le Fab Lab contribue énormément à leur intégration socio-professionnelle. Il permet à la fois de contribuer, mais aussi de leur intégration socio-professionnelle, et il permet aussi de retrouver leur autonomie économique et leur stabilité sociale au sein de leur communauté. Cette acquisition, qui est nouvelle, est une compétence essentielle pour assurer l'indépendance économique de jeunes de retour dans le pays à la fois. D'où pour nous, en fait, cette inclusion qui est digitale est devenue une nécessité finalement, en fait, pour le jeune Djiboutien, mais aussi le jeune de retour dans le pays et les migrants qui sont les enfants de la rue. Il serait important de noter que le développement de cet espace a été fortement apprécié par le gouvernement djiboutien qui a soutenu depuis le début la mise en œuvre et a accepté de l'héberger au sein de l'Université de Djibouti. L'équipe du Fab Lab s'est vue invitée à participer à plusieurs séminaires et conférences en lien avec la technologie et permettre ainsi à la création d'une certaine notoriété. Notre premier objectif était celui qui, à long terme de cette initiative, est de donner aux jeunes Djiboutiens le choix de rester dans leur pays d'origine, tout en développant un avenir qui est meilleur. Cette révolution numérique est porteuse d'opportunités sociales, mais aussi professionnelles, nouvelles pour le jeune. Pour ces jeunes, l'inclusion numérique est devenue pour la jeunesse djiboutienne aujourd'hui, et comme eux le disent, un renforcement de la création et le savoir-faire existant à l'avenir. L'innovation deviendra la promotion des métiers numériques, mais aussi une déconstruction des stéréotypes concernant le migrant, et car aujourd'hui cet espace forme de jeunes migrants et djiboutiens dans la nouvelle technologie. Ces projets représentent le premier effort de l'OIM visant à créer des laboratoires de fabrication de labs et répondre aux défis posés par la migration et ce développement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Fab Lab forme un réseau international d'espaces physiques où des gens peuvent apprendre et explorer une variété d'outils de production numérique et accéder à des opportunités de formation professionnelle innovante. Notre espace créatif s'étend et s'appuie sur une expérience qui est vraiment géniale parce que c'est une expérience qui est indétournable dans le déploiement des Fab Labs dans le monde entier pour apporter une expertise technique et des conseils sur la manière de transformer cet espace que l'OIM a mis en place, un espace qui est propice à l'autonomie sociale, sans oublier, à l'économie et à la jeunesse, et dont beaucoup de jeunes sont fiers et voient leur succès de leur projet se réaliser. Alors, on ne s'est pas arrêté là, on est allé même se développer et voir faire un réseau international, un réseau dans le monde, pour trouver ce même espace qui est humanitaire. Et l'OIM Djibouti a essayé de chercher en prenant notre expérience avec d'autres. Et nous avons actuellement aidé l'OIM Gaziantep dans le processus de mise en place d'un espace comme le nôtre. Nous sommes très ravis d'avoir contribué au développement de ces projets et, nous donnons, et aussi donner notre expertise à d'autres. On va dire pays la même chance comme Gaziantep. Je laisserai la parole à mon collègue Bélé qui me complétera et je vous remercie énormément de m'avoir inclus à cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bien bonsoir pour certains d'entre vous. J'aimerais de prime abord remercier les personnes qui nous ont invités aujourd'hui, qui nous ont invités à cette conférence d'aujourd'hui sur le domaine de l'innovation. D'abord, de prime abord, je me présente, bien éventuellement. Je suis ingénieur dans le domaine, je me nomme Belédar Abdelahi, je suis ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables et de l'électricité,
issue de la première promotion de la faculté d'ingénieur de l'Université de Djibouti. Je suis manager de l'espace créatif de Djibouti, le premier Fab Lab humanitaire sur Djibouti. D'abord, bien sûr, un Fab Lab, c'est quoi exactement? Le mot Fab Lab est issu de la contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication en français. C'est par définition un tiers-lieu de type makerspace cadré par l'université du MIT qui met à disposition donc toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils à commande numérique pour la conception des projets et la réalisation des objets. La caractéristique principale des Fab Labs est bien éventuellement leur ouverture. Ils s'adressent à tout le monde. Et par tout le monde, je veux bien sûr dire aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants et également bien sûr aux migrants qui veulent du coup passer plus rapidement de la phase concept à la phase prototypage, de la phase prototypage à la phase de mise au point et de la phase de mise au point à celle de déploiement. Et le Fab Lab regroupe donc différentes populations, tranches d'âge et métiers différents. Il constitue un espace de rencontre et de création collaborative. La différence avec ce Fab Lab et les autres Fab Labs autour du monde, c'est que déjà approximativement, on peut compter à travers le globe 1300 Fab Labs dans le monde. Du coup, la différence avec notre Fab Lab, c'est que nous avons adapté notre Fab Lab pour accueillir les jeunes touchés par la migration afin de leur fournir de l'inspiration, un espace pour créer, pour construire et collaborer. Nous travaillons principalement avec des mineurs non accompagnés pour fournir une formation numérique et la possibilité de participer sur des projets numériques et créatifs. Nous offrons donc un espace professionnel et éducatif de soutien aux jeunes qui n'ont pas accès à une éducation formelle et qui essayent donc de gérer leur vie dans des circonstances très rudes et très rustiques. Pour placer les choses correctement dans leur contexte, avant de travailler au sein du Fab Lab Espace Créatif, j'ai monté moi-même ma propre start-up, mon propre business et une association axée dans le domaine de la santé. Ayant travaillé sur le traitement et la prévision des signaux électromyographiques et le potentiel d'action des fibres musculaires, un thème fascinant, ouvrant la porte à des multitudes de possibilités, et contrôler une prothèse bionique en est l'une. Ma start-up personnelle, Handshake, avait donc pour vocation de concevoir des prothèses bioniques imprimées en 3D pour les personnes à mobilité réduite et souffrant d'un handicap au niveau des membres supérieurs. Les pays de l'Extrême-Orient sont très en avance dans les domaines du high-tech. Les pays de l'Europe et les États-Unis n'en démordent pas non plus. On parle d'une véritable révolution technologique, des robots développés pour l'agriculture, d'autres pour l'aéronautique. Au pays du soleil levant, par exemple au Japon, des humanoïdes assurent même l'accueil ou bien le maintien des hôtels. Et pour vous dire les choses honnêtement, à cette époque-là, c'est-à-dire l'année dernière, avant l'inauguration de ce Fab Lab-là, à cause du manque de ressources, de machines et de matériel et d'opportunités, cela me fatiguait au plus haut point parce que j'assistais malheureusement, malgré moi, à une hégémonie des pays extérieurs. En Afrique, vous savez, en Afrique, le potentiel est là et il est très très présent. Et le projet du Fab Lab permet de nous exprimer à moi et à beaucoup d'autres jeunes et de parfaire notre créativité. Celle de nos jeunes également. Nous travaillons sur des imprimantes 3D, sur des machines CNC, sur de l'électronique, sur du bois, sur de la robotique. Ça veut dire que le Fab Lab, au sein du Fab Lab, on travaille grosso modo sur plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, on travaille également sur le biomédical. Le Fab Lab n'a aucune limite. Le Fab Lab a permis, entre autres, de nous rendre les choses plus faciles et plus accessibles. Notre rôle au sein du Fab Lab consiste, à moi et Hussein, encadrer les jeunes porteurs de projets, à doper leur inventivité, à sensibiliser les masses et à rencontrer les migrants, à vulgariser nos travaux scientifiques. Un Fab Lab, c'est avant tout, je l'ai dit plus tôt,
un espace de rencontre avec plein de convivialité qui permet de rêver et de nous sortir de notre carcan habituel. L'intégrité est la pierre angulaire de l'humanité. Et je répète ces termes assez souvent, à moi et aux jeunes qui viennent au Fab Lab. Mais imaginez, et je parle pour moi, des prothèses pour des amputations transradiales et transhumérales imprimées à Djibouti, dimensionnées au cas par cas sur des amputés djiboutiens et les migrants, entièrement gratuites. Je rêve, et ceci est mon rêve personnel, de faire de l'intégration socio-professionnelle de ces personnes une priorité. Qu'ils puissent s'épanouir, je parle bien éventuellement des handicapés, comme tout le monde, et avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'autonomie. Le Fab Lab m'a permis à moi de rendre ces choses-là possibles parce que les limites du réalisable sont infinies. Parmi les jeunes qui travaillent avec nous, je vais citer un jeune qui travaille énormément avec nous. Il s'appelle Mohamed Ali Abdelkader, un jeune ingénieur, CEO et président d'une start-up également, dans le domaine de la thermique des bâtiments, qui utilise notre laboratoire pour travailler ses prototypes et ses maquettes. Les machines présentes, lui permettent de gagner énormément de temps et d'épargner considérablement d'argent. Son business aujourd'hui est reconnu nationalement. Je citerai également Ruqya Mohamed. Ruqya Mohamed, une jeune aussi qui travaille également ici au sein du Fab Lab, et qui est la présidente des femmes TIC sur Djibouti. Les femmes TIC, c'est en fait une association de femmes n'ayant aucune connaissance dans les domaines des nouvelles technologies. Et Ruqya, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est elle les forme donc sur les outils du numérique. Et nous, moi, Mohamed et Hussein, on l'aide donc à réaliser cette optique-là. Chose que nous faisons également avec les jeunes migrants de Caritas, des jeunes issus de milieux défavorisés qui ont une tranche d'âge entre 14 et 18 ans, des jeunes migrants non accompagnés, pour leur inculquer la passion et la création dans nos formations. Pour vous présenter l'importance et le plein potentiel d'un lieu tel que le nôtre, laissez-moi vous exposer brièvement, les travaux entrepris durant la période du coronavirus. La situation sanitaire exceptionnelle induite par le coronavirus, qui touche aujourd'hui la quasi-totalité des pays africains et du monde, a donc requis de mettre en place, au sein du Fab Lab, une approche coordonnée entre différentes institutions. Les projets de riposte portés par le Fab Lab Espace Créatif ont contribué à la réalisation des objectifs du gouvernement djiboutien, à travers une cible spécifique, comme le déploiement des matériels indispensables aux soins et à la protection ou à la prévention des risques sanitaires. En effet, vers le courant du mois de mars, avril et mai, l'espace créatif, face à l'urgence nationale, a changé de cap et a donc commencé à produire des équipements de protection en réponse à la pandémie du coronavirus. L'objectif a été donc, à moi et les jeunes qui travaillent avec moi, de participer à l'effort national visant à endiguer le virus en exploitant le plein potentiel de l'innovation et de fabrication d'un Fab Lab. Moi et l'équipe avons donc imprimé approximativement, voire plus, de 300 visières de protection. Les visières de protection, pour vous expliquer cela simplement, c'est des visières, c'est des casques de protection, c'est des casques de protection qui permettent de protéger le personnel soignant contre les gouttelettes de salive. Nous avons également fabriqué des respirateurs artificiels également, bien sûr, imprimés en 3D. Nous avons modélisé les prototypes ici au Fab Lab. Pour vous expliquer ce qu'est un respirateur artificiel est un appareil qui permet de suppléer
la respiration du patient. Et comment fonctionne ce respirateur-là? Pour le faire fonctionner, nous avons donc considéré quatre paramètres très importants, qui est donc le temps plateau, le volume courant, le ratio I sur E et la fréquence respiratoire. Nous a malgré donc notre background, mon background personnel dans le domaine de l'énergie renouvelable, le Fab Lab, comme je l'ai dit plus tôt, et rassemble plusieurs domaines. Ça veut dire que nous pouvons travailler sur beaucoup de choses et apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons donc bifurqué durant la période du coronavirus sur des projets biomédicaux. Et donc, ces appareils respiratoires, avec bien sûr, nous étions en constante communication avec des médecins djiboutiens. Et nous avons donc mis au point ces prototypes-là et distribué ces prototypes-là également dans différents hôpitaux du pays. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Et parce que la rentrée universitaire ici à Djibouti a repris à partir du 23 mai. Et pour essayer de contrer le coronavirus et essayer de mettre en place un cadre sécuritaire, un cadre plus sûr pour cette rentrée universitaire. Avec l'université de Djibouti, nous avons donc mis en place et travaillé sur des tunnels de désinfection. Qu'est-ce qu'est un tunnel de désinfection? C'est donc une cabine de pulvérisation qui permet donc de pulvériser des solutions désinfectantes. Nous en avons construit approximativement 7 tunnels de désinfection que nous avons mis dans les différentes entrées universitaires, sur les différentes gates. Ces fournitures ont été destinées aux différents hôpitaux du pays, aux centres de soins, aux agences gouvernementales, aux premiers intervenants et aux travailleurs essentiels. En guise de gratitude pour ces travaux, pour notre travail face au coronavirus, nous avons reçu la visite officielle du président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, et les membres les plus importants du gouvernement djiboutien. Je voudrais bien éventuellement citer également le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre chargé des Communications. Pour conclure mon intervention, le Fab Lab djiboutien a permis, entre autres, de changer énormément de choses sur bien des domaines. En tant que jeune et membre de cette équipe du laboratoire de création, moi, comme bon nombre d'autres jeunes djiboutiens émigrants, sommes très heureux de vivre cette expérience et de pouvoir aider et apporter des solutions à notre pays. Nous essayons donc de mettre en place et de construire un meilleur écosystème qui aidera les jeunes touchés par la migration à accéder à de meilleures opportunités. Et nous espérons fortement et intimement que cet espace offrira, espérons-le, des alternatives aux voyages migratoires dangereuses et les aider ces jeunes migrants à s'intégrer dans les communautés où ils se trouvent. Et a donc donné et octroyé plus d'opportunités. Je voudrais donc m'arrêter là et je voudrais donc vous remercier encore une fois pour nous avoir invités et pour le temps de parole qui nous a été alloué. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Le docteur Camara, qui est à vrai dire un médecin de Mauritanie et qui a aidé ces ressortissants nationaux pendant la crise, voulait prendre la parole.
Merci beaucoup. J'ai été vraiment très impressionné par la présentation de mes collègues de Djibouti. L'idée d'avoir des respirateurs avec des imprimantes 3D est quelque chose qui est vraiment nous intéresse vivement. Donc, je voulais savoir qu'il y avait un moyen de partager ces informations et puis de transférer les savoirs pour que nous aussi, on puisse en bénéficier, pour qu'au moins, on puisse mettre en place ces respirateurs localement. Parce que les autres respirateurs qui sont sur le marché, comme vous le savez, sont quand même des équipements qui sont très très chers. Mais si on peut développer, parce que cette technologie, moi j'en avais aussi entendu parler avec mes collègues de l'INSERM en France, donc si on pouvait vraiment bénéficier de ça, parce qu'a priori ce qu'il faut c'est une imprimante 3D, j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger avec nos collègues de Djibouti et puis faire un transfert des connaissances et technologies. Encore une fois, je les félicite et je suis vraiment très impressionné par ce qu'ils ont fait. Et bravo, un grand bravo à eux. Merci à vous. Franchement, nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir nous faire part de votre parcours et de nous avoir fait connaître ces histoires qui sont un espoir pour les jeunes avec les moyens de la technologie, de la nouvelle technologie pour s'intégrer dans la force de travail de votre pays. Formidable. Une petite question à nos amis de Djibouti. Sur le domaine de la désinformation ou mauvaise information, avez-vous rencontré des problèmes à Djibouti à ce sujet-là? Est-ce que le travail que vous faites peut arriver à se faire connaître sur les réseaux sociaux, par exemple, pour faire passer des messages factuels, concrets, pour essayer de faire tomber certains des mythes qui se créent et des mauvaises informations qui circulent? Parce que c'est peut-être un autre domaine encore dans lequel vous pouvez avoir un rôle positif à jouer. Merci depuis l'Irlande. Les collègues de Djibouti, pouvez-vous reprendre la parole pour répondre à cette question directe de l'Irlande? Êtes-vous connecté? Oui, vous y êtes. Allez-y. Alors, déjà, j'aimerais tout d'abord vous remercier à tous. Et pour reprendre brièvement les propos du docteur Camara, le Fab Lab, en fait, c'est un réseau et nous travaillons également conjointement déjà avec le Kenya, avec le Fab Lab éthiopien, avec le Fab Lab rwandais. Et nous partageons, en fait, un groupe sur WhatsApp et sur différents réseaux sociaux. Et du coup, nous essayons de mettre en place, en fait, des événements qui regroupent un peu tous ces pays africains. Du coup, ce serait honnêtement un réel plaisir, bien sûr, de travailler avec vous et de vous présenter nos travaux et de vous envoyer tout cela par email ou bien comme vous voulez. Pour reprendre la question sur la mauvaise information et la désinformation, c'est nous, le Fab Lab Espace Créatif, nous sommes très très présents sur les réseaux sociaux djiboutiens. Nous sommes très, très présents sur les réseaux sociaux djiboutiens. Nous avons participé à différentes campagnes où on est parti sensibiliser les personnes vulnérables, où on est parti également sensibiliser les étudiants de l'Université de Djibouti, où on est également parti rencontrer des jeunes entre 10, 11, 12 ans pour leur inculquer, bien sûr, aussi cette passion pour la création. Sur les domaines scientifiques. Du coup, on est très, très présent pour la jeunesse djiboutienne et les migrants. Et du coup, on a donc essayé de mettre en place une certaine communauté, une communauté djiboutienne très, très présente dans le domaine des réseaux sociaux. Et les choses, je dirais, pour conclure cela, je dirais que les choses se passent très bien. Merci. Merci, many thanks. Les États-Unis demandent la parole. Allez-y. Merci, Monsieur le Président.
Je n'avais pas prévu faire une intervention, mais je dois reconnaître que j'ai été tellement impressionnée par les histoires de ces migrants que je tenais vraiment à féliciter les intervenants, tout particulièrement le Fab Lab. La créativité qu'il y a dans cette intervention était très, très, très surprenante. Ça montre bien que dans les périodes que l'on traverse, il faut intégrer les jeunes, il faut les prendre en compte. Merci donc,